Oui, c'était comme, vous allez voir, c'est comme pour l'élection de Trump, mais il paraît qu'il y avait des tas d'Américains démocrates de gauche, des bobos de gauche, qui allaient consulter le psychologue ou le psychiatre parce qu'ils étaient dépressifs que Trump soit président. Bah là, on va avoir la réplique en France, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de bobos de gauche ou centristes qui vont être dépressifs. Voilà. Alors, les psychiatres, les psychologues, tous les thérapeutes vont s'enrichir grâce au Rassemblement national. Formidable, n'est-ce pas? Une profession qui va prendre tout son essor. Et puis, je vous dis pas, nous, ce qu'on a à faire, c'est, il faut attendre dimanche, j'attends vivement dimanche qu'on se régale de voir tous ces visages décomposés. Enfin, ça, c'est quand même une satisfaction, je veux dire. Le fait de vivre ça, c'est une bonne chose. Vivement dimanche, qu'on puisse au moins se régaler de voir tous ces bobos décomposés en déconfiture totale. Et pleurer certainement. Donc il faut leur offrir des Kleenex parce que vraiment ils vont en avoir besoin. Vous ressentez du stress ou de l'anxiété depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, forcément. Toujours un peu de stress, voire un peu beaucoup de stress. En fait, on voit un peu l'extrême droite comme le grand méchant loup, et cette montée de l'extrême droite, ça nous alarme un peu tous. Bah, ça m'angoisse forcément parce que je suis pas pour le parti qui s'annonce gagnant, donc ça me fait un peu peur. Ah oui, on peut pas rester insensible à la situation. C'est vrai que c'est angoissant. Ça fait une chose de plus à gérer. Tous mes patients, mais vraiment tous, au lieu de me parler de leurs problèmes personnels, de leur papa, de leur maman, de leurs enfants, de leurs soucis, ils parlent tous de cette situation dans laquelle on est. Et ça, pour moi, c'est un signe, c'est un vrai signe de crise, parce que c'est pas souvent, c'est arrivé.